maintenant, on est de retour pour un autre cooler check. Ma scoot est rendue pas mal plus grosse, puis elle va pas mal mieux. Fait qu'on va commencer ça par le top, parce qu'on est bien original, nous autres. J'ai une barre Envy Thermal noire, avec des poignées ODI dessus, qui sont pas mal en train de trouer. C'est un détail, c'est pas important. Et j'ai un clamp SCS Proto Baby, des shims pour que ma fourche ait la bonne gravure pour rentrer dans mon SCS. Un headset tilt qui craque pas mal 100% du temps. J'ai une fourche Urban Art Primo Evo que j'ai acheté dernièrement parce que la plupart d'entre vous doivent déjà le savoir, dans les 2-3 dernières semaines, j'ai pété ma fourche puis mon deck. Fait qu'on va continuer ce qu'on t'est rendu. Une fourche Urban Art Primo Evo Chrome. Des roues Proto Gripper avec le corps rouge puis l'extérieur noir. Des pegs qui sont même pas une marque, c'est le père de mes amis qui est fait. Puis le nouveau deck que j'ai, il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. C'est un Urban Art Primo Evo, ça aussi. Il est 22,5 pouces de long par 5 pouces de large. C'est parfait pour faire des rails, des bugs, ça va bien faire. Je pense que c'est mon deck préféré. Sinon, j'ai un Ella Grip Jake Swearinson Signature. Mon grip préféré, définitivement. Chaque fois que je dois changer mon grip, c'est ça que j'achète parce que il fit tout le temps avec ma scoop et il grip super bien. Puis sinon, ça fait pas mal tout pour le scoop de Jake. Moi, je vais aller faire des clips et je vais vous montrer comment que ça roule. J'espère que vous avez apprécié. This is the Chucky Beat Production.